Il y a des gens qui croient que c'est la prophétie qui n'a pas accompli. Et que Kafou Haïti, il est là aujourd'hui, c'est la prophétie. Et dans ça, nous, il y a là, donc, il y a des gens qui pensent que c'est diabolique. Et que il y a des diables là sous ça qui a passé là. Il y a des gens qui comprennent que bon Dieu ne va pas quitter le pays comme ça. Et que bon Dieu, quand même, a banni nos chemins pour nous capables de délivrer tête nous. Pasteur Milien Olifine, est-ce que ou parmi les gens qui croient que bon Dieu est même sous le pays? Bonjour, bienvenue à l'émission Inter Débat. Et bonjour Monsieur Loco, à tous les amis auditeurs, bonjour, que la puissance de Dieu soit avec vous. Mm-hmm. Une fois de plus matin, nous là, pour nous exprimer le plan de Dieu pour Haïti. Et c'est vrai, nous avons un moment de trouble et de grandes agitations, un moment de révolte, lequel moment que nous avions prédit. Et cependant, nous parlons, nous avons regardé à la loupe prophétique, à la lumière prophétique, nous voyons, c'est à peu près ça que les Grecs ont dit. T'es quoi? Un temps de guerre prépare un temps de paix. Mm-hmm. Ça, nous vivons là, c'est en destruction. Nous sommes sûrs qu'on a déjà. Oui, nous avons là déjà, nous avons exprimé plusieurs grandes visions. Nous connaissons des moments difficiles. Nous connaissons des moments difficiles, de troubles. Et la première chose que j'aimerais me rappeler, non, c'est que l'ordre politico-militaire établi dans le monde est un ordre spirituel. C'est bien. Et à l'échelle générationnelle... Non, où tu m'as là, hein? Où tu m'as là, oui, ça veut dire, pour m'expliquer mon nom, ça... L'ordre politico-militaire établi dans le monde, partout dans le monde, en Haïti ou ailleurs, c'est un ordre spirituel. Correct. Derrière chaque prise de pouvoir, il y a un génie caché. Correct. Il y a un esprit à l'œuvre. Correct. Et Dieu n'est pas que dans les églises. Dieu est a priori dans l'État. Mm-hmm. C'est la puissance qui bat nos pouvoirs pour nous établir l'État. Correct. Nous prend en charge le fardeau, prendre à notre compte le fardeau de la démocratie. Non, mais c'est clair, s'il y a des décisions que bon Dieu voulait prendre pour Haïti, c'est à travers les dirigeants qu'il va faire. Cependant... Le pouvoir établi. Oui, oui, d'abord, à travers les hommes politiques, et on dit qu'ils sont parfois des initiés, ça veut dire des gens qui reçoivent la lumière. Mm-hmm. Même Jean David te dit, mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. Et ça n'a vivant là, ce n'est pas la fin des temps, comme le croient certaines sectes du protestantisme. Okay. C'est un temps d'épreuve, c'est un temps de guerre qui va inaugurer un temps de paix dans la vie du peuple haïtien. Mm-hmm. Donc on doit quand même garder espoir. Hein? Il faut garder espoir, il faut non plus déterminer que jamais, parce que à travers ces luttes, et il y a un pile de monde qui envisage comme une lutte armée, ils ont peut-être raison ou tort. Mais il y a d'autres cependant qui envisagent comme une lutte non violente pour affirmer de nouvelles valeurs, mm-hmm. pour affirmer de nouvelles croyances, pour affirmer de nouvelles visions. Moi, c'est un leader protestant et nous sommes porteurs et de la vision divine comme une grossesse. Nous voyons venir une nouvelle étape dans la vie du peuple haïtien. Et dans un premier temps, je voulais dire que... Dieu vient vers l'homme par l'esprit. Mm-hmm. Et cependant, on a toujours cru qu'il existe plusieurs esprits. Et mais on a toujours cru que grand esprit qui c'est le Dieu de tous les dieux, qui c'est Zeus ou bien qui c'est Jéhovah. Mm-hmm. Et bien, puissance ça, il manifeste dans vie, nous, dans le cœur génération ça, comme un aigle. Nous le voyons aussi comme une étoile et nous le recevons comme une lumière. Comme cela est dit dans Actes chapitre 22, une lumière descendit du ciel et enveloppa Paul de son éclat. C'est ça où l'illumination. Nous sommes revêtus de cette puissance et pour nous, d'une part, les libérer nous d'un ensemble de tares, de croyances empiriques et nous recevoir comme un esprit bâtisseur. Divine bâtit d'abord notre temple intérieur, notre esprit, notre âme. Plusieurs grands auteurs découvrent et décrivent Haïtiens comme un peuple qui est sous l'influence d'un enchantement. Tant que Frantz Fanon, qui est un grand auteur et martiniquais, il
il fait hypothèse de l'aliénation des Noirs. Mm-hmm. Et lui-même l'y imputé à l'esclavage. Même senti qu'on ensemble de traditions, qu'on occultisme, qu'on ensemble de croyances populaires et venues d'ailleurs ou de l'Afrique qui quimbaient nous en forme d'esclavage. Mm-hmm. Alors ça et c'est... nous trouver des gens aussi mm-hmm. qui animés par des pouvoirs surnaturels à dessein de faire que le mal. Il y a le chat noir dans notre âme. Il y a le serpent dans notre âme. Il y a le papillon noir. Il y a toutes ces puissances occultes mm-hmm. qui quimbaient Haïti dans okay. la division. Ok, pasteur, ça, c'est... La haine. Pasteur ça, oui. ça c'est le message. Maintenant, comment traduire ce message à travers la réalité là, je veux dire là. Vous rappelez que il y a des messages bibliques, il y a des messages comme ça qu'on trouve dans l'évangile. Mais quand même, le plus souvent, c'est des paraboles, c'est des bagailles codées. Oui, maintenant, oui. comment on est capable de décoder ça et pour marier avec la réalité qu'on a vue, je veux dire. Ok, bon, et comme c'est une compréhension parce mm-hmm. que j'en ai souffert. Mm-hmm. Moi-même, moi grandir dans l'église adventiste, avec le temps, certains me voient comme un dissident. Et même comprendre que le message chrétien en Haïti, même catholique, est trop théorique. Mm-hmm. C'est comme si on était dans l'aide grecque là ou l'aide hébréa, on pas arrivé à atterrir. Oui, on l'est. On l'est. Ou bien il a prêché une culture hébraïque dans une culture haïtienne. Good. Et cependant, pour ma part, Dieu reste le même à toutes les époques, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures. Ce dont nous avons besoin, c'est de vivre l'évangile comme un évangile de puissance mm-hmm. et de libération pour Haïti. Mm-hmm. Vous parlez de nouvelle étape que nous reconnaissons, c'est ça la bille là. Bon, nouvelle étape que je prédis là, et d'ailleurs, ma conclusion sur ça m'a dit que l'Esprit de Dieu, que les Haïtiens ne connaissent pas vraiment, est l'esprit de l'invention. Là, nous lisons Exode chapitre 31. Est l'esprit qui fonde les villes, les empires, d'après Zacharie chapitre 2, verset 5, verset 9. C'est l'esprit aussi des sciences et des arts. De la connaissance en général. Très bien. Esprit, ça a, une fois que il y a des frères dans les bancs de nos églises qui recevoient, il n'y a pas animé par un esprit de créativité. Très bien. Maintenant, côté nous. Il faut dynamiser la société, transformer la société pour devenir un idéal de paix, de croissance économique, de sagesse et de liberté. Très bien. Côté nous, je vous dis là, avec côté nous supposé, et c'est quoi l'étape? Cette étape-là, ok. Depuis 12 janvier 2010, moi-même, j'avais vu la destruction était venue par l'esprit. Mm-hmm. Cependant, les géologues voient que c'était des plaques. OK? Donc, un peu on clivage, on dichotomie entre géologues et vision mystique là, de réalité. Mm-hmm. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous en sommes à ce carrefour où la main de Dieu va effacer la première Haïti que nous avons connue. Ça voulait dire ça. Ça veut dire nous en transition vers une Haïti moderne. Très bien. Une Haïti prospère, une Haïti industrialisée. Très bien. Parce que nous avons contemplé l'étoile. Donc un nouveau pays que nous avons. En effet, il y a un nouveau pays, comme mm-hmm. aussi bien que nous avons reçu un nouvel esprit. Mm-hmm. Première génération esprit d'ordre vaudouyo, ça va passer. Ok. Il y aura une nouvelle Haïti établie comme un État théocratique. Très bien. Et il peut confirmer en pile révélation des anciens prophètes et des rois d'Israël. Bon, il y a des gens qui ont dit que les esprits ne passent pas, quand, en fait. Esprits ont vini. Mm-hmm. Ils ont vini à travers le champ de nos rêves nocturnes. Right. Nous avons senti vraiment qu'il y a un feu sacré qui pénètre notre âme, mm-hmm. qu'il y a une voix intérieure qui c'est parle bien. En nous, qui nous relève de notre condition abjecte et qui nous met à l'œuvre. Maintenant, quel comportement adopter aujourd'hui? Aujourd'hui, en tant que peuple. En tant que peuple, mm-hmm. et. Face à tout ça. Ce qui est prédit arrivera. Par exemple, j'ai une autre prédiction. J'ai vu que le président Jovenel était arrêté. Mm-hmm. Où est-ce en rêve, ou bien? Oui, bon Dieu, révélez-moi ça. Ok. Mouel arrêté par des groupes insurgés armés lourdement. Ok. Je vois venir la guerre civile. Il m'a été permis aussi de voir des immeubles en feu. Ça, c'est vision. Vision. Bien sûr. Prophétique. Quoi, j'ai vu que nos téléphones ont été éteints. Mm-hmm. J'ai vu comme s'il y avait une action terroriste de grande ampleur okay. dans Port-au-Prince. Et j'ai vu aussi que l'armée américaine était revenue. Mm-hmm.
Pour la perspective à venir, qui m'intéresse, qui vous intéresse aussi, nous avons une vision du futur Haïti qui paraît contraire à ça, notre premier connaître. Ok, avant d'aller dans le futur là, vous reprenez qui sortait, oui. Parce que moi, c'est celui que nous avons noté là. Alors, bien entendu, nous faut venir, c'était justement pour ça. Oui, oui. À partir de vision prophétique que vous dites que vous voyez. Maintenant, rappelez-nous rapidement qui sont. Ok, je vous rappelle que Dieu m'a permis de voir que le président Jovenel était arrêté par des groupes insurgés, des insurgés armés lourdement. Ce n'était pas des Blancs qui l'avaient arrêté, des Noirs, des Haïtiens. J'ai vu qu'il y avait la guerre civile. J'ai vu qu'il y avait une explosion à Port-au-Prince. Et que la population courait dans toutes les directions. Très bien. J'ai vu que nos téléphones ont été éteints. Très bien. C'est comme une action terroriste de grande ampleur. Il m'a été permis aussi de voir que l'armée américaine était revenue. Très bien. Parfait. Ok, maintenant, on a le futur là. Pour le futur d'Haïti, nous pourrons expérimenter une deuxième grande pensée politique. Qui c'est la pensée fédéraliste. Donc ça, c'est le futur d'Haïti. Pour le futur d'Haïti. Nous pourrons joindre des mains d'aide, l'unité de l'esprit, favoriser l'unité de plusieurs grands états du monde. L'unité des puissances. L'unité des grandes puissances. Ouais, l'unité des esprits pour favoriser l'unité des puissances. Des puissances. Ok. Entre première Haïti avec deuxième Haïti, deuxième grande république, comme chez les Français, il y a plusieurs grandes républiques françaises. Ok. Eh bien. Et la différence, c'est à travers le génie. Une nouvelle génération, un nouvel esprit a pris le contrôle de notre société. Et les leaders de ce grand réveil, c'est qu'il y a parfois des prédicateurs ou des évangélistes qui n'ont pas d'argent, mais l'esprit en eux guérit dont esprit de mort. C'est sûr que vous avez une nouvelle classe d'hommes et de femmes. Une nouvelle classe d'hommes, une nouvelle intelligentsia, une nouvelle élite, une nouvelle noblesse. Très bien. Qui pral mettre pays d'Haïti en chantier. Okay. Des villes modernes seront fondées. Moi, ouais, on puits pétrole éclater sous pays ça. Je vois Haïti comme un pays qui a vendu pétrole à l'autre nation. Très bien. Moi, ouais, un relèvement intégral de l'homme haïtien. Très bien. Et moi, vois aussi l'émergence comme de nouveaux courants religieux. Correct. Pour affirmer de nouvelles valeurs humanitaires, de nouvelles valeurs dans le monde. Si pas gagner de nouveaux esprits, si pas gagner de nouveaux courants d'esprit, c'est sûr que pas gagner de nouvelles réunions, de nouvelles religions. Oui, en effet. Parce que à travers le christianisme, grand pile monde qui joint des obstacles, nous trouvons des obstacles à notre croissance. C'est bien. Le christianisme n'est pas un idéal absolu de perfection. Maintenant, pasteur, la question clé, c'est dans quel timing pour tout ça? Dans l'espace 20 ans, par rapport à la prochaine intervention de l'armée américaine en Haïti, 20 ans, depuis sous 10 ans, on n'a pas capable de voir l'espoir. Vous pensez que quand même, on a une intervention militaire américaine en Haïti? En effet, oui, on a venu. Quand même. Il m'a été permis aussi de voir la bannière étoilée, le drapeau américain que beaucoup d'entre nous aimons, bien que haïtiens. Ok. N'oubliez pas, nous avons. Pourquoi fermement bien une intervention Une nouvelle intervention de l'armée américaine. Ça, on ne peut pas en douter. Et par ailleurs, laissez-moi vous dire, comme je vous disais, nous allons expérimenter la nouvelle pensée sociopolitique qu'on appelle la pensée fédérale. Qui c'est jonction de plusieurs groupes et de plusieurs états ensemble qui dynamisait à travers une politique d'entraide. Eh bien, merci en plus, pasteur. Et Haïti, dans cette dimension, va recevoir, bénéficier de l'intelligentsia américaine. Haïti sera mise en chantier et je me demande si Haïti ne va pas devenir une extension du nouvel empire américain. Et d'ailleurs, pour ma part, je le prône, c'est tant à perdu là, et nos politiciens nous mettent en retard parce qu'ils n'ont pas en eux cet esprit de sagesse. Je veux adresser un appel à la communauté évangélique en général, à tous les chrétiens, à tous ceux qui croient en Dieu. A priori, je ne me vois pas comme un religieux, et moi, ma religion, c'est la fraternité avec tous les hommes qui soient capables de raisonner, d'aimer, et qui croient en l'avenir. Très bien. Un grand réveil national est nécessaire, et nous devons prier pour la paix en Haïti, parce que notre relèvement, notre croissance, elle vient à travers le travail de Dieu dans nos cœurs et dans nos pensées, qui nous qualifie pour promouvoir la paix et la démocratie en Haïti. Pasteur Emilien, est-ce que vous êtes capable de quitter les références ?
Et c'est ce que vous dites qui est très intéressant maintenant. Il y a des gens qui t'aiment quand même. Ok, mon numéro, c'est 47 24. 47 24, 00 90. 90, correct, parfait. Très bien. Et moi, localiser ma petite goave, moi, son leader, et moi, son écrivain en même temps. Et moi, je crois que tôt, pas trop longtemps, je vais avoir plusieurs ouvrages. Cap qu'a publié ailleurs. Très bien. Il y a un monde qui veut sponsoriser tout sans problème. Son monde qui a supporté tout, il va être mauvais. Merci. Que Dieu bénisse Haïti. Merci. Et que Dieu vous bénisse, monsieur Loco. Merci. Merci en pile, pasteur. Ou mettez le téléphone sous silence ou bien déplacer pour pouvoir répondre au téléphone. Non. Ok, téléphone, pasteur et Milien Olifine. Et qui dit des bagages, c'est intéressant matin. Hein? Donc c'est 47 24 00 90. Là, cherchez sponsor tout pour pouvoir faire les vœux. Des bagages, c'est des bagages choquants. Oui, oui. Choquant, ça veut dire que si je tombe après pour le pasteur, oui. Ben, là, ben, là, fini. Alors, c'est vision, parle, c'est vision, vision que oui, vous faites. Oui, ah, oui. Alors, ça qui choquait, c'est sous question intervention militaire américaine. Pas simplement intervention, mais et côté pasteur, c'est, ça pas étonnant pour y réfléchir comme ça, oui. pour ton message comme ça. Oui. Vous semblez de là. Parce que le ou fait petit, souvent ces derniers petits là comptent comme ça, premier ou deuxième, ils passent misère avec eux, ils vivent comme mon papa, comme ma boumé. Et dernier, quand si tellement bien absorbé, l'autre petit monde qui a travaillé, ici tellement il va à l'aise, il va jamais comprendre comment maman et la papa étaient bataille pour te gérer là. Correct. Bon, en tout cas, c'est. Passons. Parfait, ok, très bien, ok. Nous toujours bas espace justement à des monde qui gagne vision qui gagne vision donc vous payez et c'est là nous gagne Makatu qui toujours là qui toujours là Congo qui toujours là non et... si une dala passe par le palais non mais écoutez non, c'est deux tendances c'est deux tendances passe par le palais c'est deux tendances non c'est pas même bagayo nous avons une émission d'un carré la matinée qui va finir tout son pasteur Kabdou que Haïti va pas exister donc alors il pas dit Haïti va pas exister il dit que pas le bon nouvel Haïti non il dit que pas le bon nouvel Haïti pas bien leader politique c'est encore bien de nouveaux leaders il dit que justement et sur le plan mystique esprit qu'il a yo il peut aller parler de nouveaux esprits qui viennent qui peuvent permettre que gagne une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques parler gagner de nouvelles alliances et ça va venir permettre tout que gagne de nouvelles puissances justement qui émergent et justement donc qui parle en harmonie avec Haïti donc bah, alors c'est l'extension des États-Unis Haïti alors moi même dans oreille moi t'attendais à c'est que pasteur a dit et n'a tout ça m'attendais Haïti, ça va exister. Oui, il dit que Haïti, ça finit. Non, mais pas sur le plan physique, non. Maintenant, pas sur le plan physique. Moi, Logo. Il dit que Haïti, ça va exister. Lui-même dit son bagage, il était souhaité. Good. Logo, lui-même dit. C'est avec un pilier arrogant pour répéter moi ça. Non, mais comprendre comment parce que c'est parce que me comprendre lui même qui fait me répondre. Justement, alors c'est parce que me comprendre lui qui fait me répondre. Il dit que Haïti qui là pas exister encore, c'est pas sur le plan physique que pays a disparaître, non. Il dit modèle politique que là, c'est pas gain monde ça encore, pas gain modèle politique c'est ça encore. Ouais. Donc pas gain de nouvelle émergence, c'est ça il dit. Et qu'il dit que Haïti parle renaître, parle gain nouvelle Haïti. Qui va gagner, qui va permettre que gagne de nouvelles pensées. Loco, moi, je vais répéter. Pasteur a dit, dans toute ça, le dire. Correct. Lui-même, t'es souhaité. Laïfine dit, lui-même, il t'es souhaité, lui-même. Oui. Intervention américaine, là. Il a dit que. Son pasteur. Ben, il converti. Antinationaliste. Ben, il a parlé là. Oui. On bagaille il t'est souhaité oui. Bon. En tout cas. Je préfère me faire choix pour me détendre. Non, moi-même, non, mais il faut bien entendre. Moi-même, avantage, moi-même bien entendre. Correct. En tout cas, numéro pasteur, c'est 47 24 00 90. Donc, si vous voulez continuer à faire débat avec lui, donc, sur intervention le matin, donc, dans l'émission, matin débat. Ok, bon.